Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Trog Norska Empire Mortel. Petite bataille avec les nains, je ne sais plus d'où et de pourquoi. Il y a une embrouille. Une rancune sûrement. Non, simplement qu'on est en guerre avec lui depuis un petit moment. Et visiblement, j'ai peut-être décidé de l'attaquer moi ou il a décidé de m'attaquer lui, je ne sais pas. Mais on y va. Alors, je me sens plutôt en confiance hein, dans ce combat. Je le rappelle, j'ai combattu le chaos, je l'ai calmé, et maintenant, c'est moi le chaos. Voilà, 75% d'entretien en moins de mes armées. Bonjour. They will succumb. Voilà. Marauder chieftain. Je ne crois pas que j'affronte un seigneur connu, hein. Donc normalement, on peut y aller, hein. Ready to murder. Ouais, c'est pas une armée dégueulasse, hein. On va pas se le cacher. Quand tu commences à avoir une petite armée comme ça de champions avec des petits mammouths. Bon, des lanceurs de haches, ouais, ça les défoule. Et après, mélanger ça avec des loups qui ont la dalle. Et un petit sorcier de métal juste ici. Il est vrai que... Allez. Oulala, mais attendez. Il y a un hélico qui me réclame là. Il va se prendre des haches, il va pas comprendre. Voilà, rentre-leur dedans. Oh, les chirons bombardiers, par contre, qu'est-ce qu'ils me font mal? Par contre, on a une bonne entière. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Ça part dessus. Hop là, ça fond vite. Hein. Ça fond très très vite. Hein. Ok. Il faut peut-être commencer à lancer des sorts. Hein. Eh ben on est un très bon anti-aérien. Hein. Non. En vrai, restez là parce que là ils sont en train de les défoncer eux. Oh là là, ils ont fondu à une vitesse en vrai. Alors ma question est, est-ce que si je te demande de le rattraper, tu y arrives? Parce que ça m'intéresserait beaucoup de les achever au maximum quand même. Hein.
Là, il reste quoi? Un nain de drague de fer, ok, donc il est mort. Enfin, sauf s'ils arrêtent de jouer avec la nourriture. Allez. Non. Allez, pourquoi pas le seigneur? Non, les guerriers nains, ils sont plus que 3. Les marteliers, c'est mort. Et ils jouent encore avec, hein. On leur dit, mais arrêtez. C'est pas respectueux, ça. Mais non, non, ils continuent, hein. Ok. Salut Drika! Comment tu vas? Je vais remonter un peu mon siège. Ah là 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 là. Ouais, c'est le genre de petite bataille. Bon, en même temps, voilà, là. On est des unités quand même très violentes. Hein. On est sur du pur late game en termes d'armée. Même les H2G finalement brise bouclier qui marche super bien sur les nains. Le truc, ça nous paye ça. Ah, c'est lui en plus qui avait osé nous attaquer. Hein. Ah d'accord, ok. Alors on se fait un peu squatter, oui, c'est un peu le bordel, mais là c'est là normalement où ça va prendre enfin de l'ampleur, parce que comme je dis, on a un coût d'entretien qui est juste ridicule. Ridicule. Alors j'aimerais bien le chauffer pour... Alors... Ouais, on voit que l'argent va revenir, hein. On le sent d'ici, le chaos nous a défiscalisé pas mal de choses. Franchement, c'est très gentil de sa part. On n'a pas à se plaindre. Je pense qu'on n'a pas besoin de se plaindre. Donc j'aimerais bien que lui ouais, se dise, allez, let's go. Je saute là-dessus. S'il peut m'éviter d'y aller. Même ici, normalement, bah ouais, on rase le truc, ça ressemble à rien. Voilà, on se fait plaisir. Hein. Impossible que cette ville normalement s'en remette. On a Wulfric juste ici. Ce qu'il faut, c'est que je m'occupe de l'Empire. La Trog. Il va aller là-bas. Donc là, on a Balthazar, hein. Balthazar, avec lui, on a déjà dû le choper. Hein. Ouais, non, ici, c'est bon. On maîtrise le truc. Hein. Donc, on va plutôt aller de ce côté. Pour peut-être attaquer qui se lève. Donc, c'est... on va faire ça comme ça, voilà. Marauding. Tac. Tac. Le mec, il nous paye déjà un tour quasiment, le truc. Je vais demander à Trog, du coup, d'aller là-bas. Pendant que lui... va ici. Journey. Je suis à 25% dans mon propre territoire. Du coup, je peux me mettre comme ça. Avec lui. Ouh, je commence à avoir tous les points que je veux, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que je n'ai point?
Là, là. Les manticores, les wyrms de givre, les loups écorcheurs, ici, j'ai pas. Il est vrai, il est vrai. L'œil des dieux, ok. C'est 7% en attaque. Ouais, les loups écorcheurs, j'ai pas. C'est, ce serait bien d'en profiter. Un petit peu plus d'attaque pour eux. Le sorcier immortel. Ah, encore un point. Il en a gagné deux. Oula, c'est qui ça? Voilà, on va mettre ça. Pour bloquer l'armée. Donc là, je réduis mon coût. My challenge, undeniable. An unstoppable. Je vais aller là, je vais encore réduire mon coût. Donc j'ai normalement ramené toutes mes armées de ce côté-là. Hein. Le petit niveau 18. Qui est un rusé. Auquel j'ai mis pas mal de trucs, ouais. Ici on est 20, ici on est 20, là-bas on est 20. Et là aussi. Ok. Ah. Tu étais le prochain sélectionné? Tu étais l'élu pour une autre armée? Je suppose que oui. Je suppose que oui. Évidemment, on se met comme ça. Ah, mais non, au départ, c'est pas intéressant. Au départ. Voilà. Pourquoi pas quelques géants après? Deux mammouths de guerre, deux géants. Et on avisera ensuite. Donc ouais, je m'étais laissé repousser ici. Peu importe ce qui se passe, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que lui, derrière... Voilà. Il continue d'attaquer aussi les nains. Il continue d'attaquer l'Empire. Et normalement, avec le nombre d'armées qu'on a maintenant ici, plus celles qu'on va créer... Je vais essayer de créer des armées en permanence. Vous voyez, j'en ai une ici, visiblement, hein, qui se balade encore avec des géants, des mammouths de guerre, des loups, tout ça. Bah écoutez, ça, c'est parti aussi. Hein. Allez, hein, on y va. Hein. Donc là, j'en ai 2, 4, 5. 1, 2, 4, ouais, c'est ça. 5, 6. Et on va déferler sur le monde comme ça. On va protéger le clan Boulder. De peu, hein, d'ailleurs, qui commençait à perdre. De peu, de peu. Il est immortel. Il a tout ce qu'il faut. On continue à partir sur bloquer l'armée. On va aller checker si Kislev se porte bien. Ok. Très, très bonne info. C'est-à-dire que je vais peut-être me faire attaquer par lui, mais pas par des grosses armées. Hein. Absolutely not. Pas forcément dangereuse. Parfait. Ça sert à rien, en vrai j'investisse vraiment là-dedans. Je suis en guerre contre toi, toi? Alors que t'es la ruine. Ça va peut-être pas plaire aux autres que je fasse une paix. Et puis vu l'état de son armée, à mon avis, il va pas faire grand-chose. Hein. Allez, donne-moi la vision ici, tiens. Ok. Salut Moon, salut Luke, salut Lucky. Ah, Dreka, la casquette. Je vais aller la chercher. J'arrive tout de suite.
Hop. Désolé du retard. J'ai levé pour aller chercher la casquette. Une envie s'est fait sentir et une autre envie après. Voilà, j'ai pris ma clémentine. Ah, je me suis dépêché. Alors. Merci beaucoup, Papa Gaming. Merci à toi pour ton resub, ton troisième mois d'abonnement. Bon stream et bon courage pour cette campagne Norska de l'Enfer. Merci beaucoup en tout cas pour ton soutien. Normalement, ça devrait bien se passer maintenant. Et salut Lucky. Je me suis dépêché. Chanceux. Yes. J'aime bien ce genre de petits traits. En fait, je déteste le trait inverse. Pour moi, ce trait-là devrait pas trop exister sur Warhammer. Au vu du spam de héros. C'est trop... C'est du typique Total War, mais... C'est trop handicapant sur Warhammer, quand tu te prends l'inverse. Sachant que eux, ils savent spammer. Ils maîtrisent le spam. Alors... Salut Daou! Quel beau chapeau, merci beaucoup. Comment ça va? Merci Venom pour ton follow, bienvenue. Attendez que je me remette un peu les idées. Non, papa. Pas toucher Billy. Tu touches pas Billy. Tu veux vraiment pas aller attaquer ça, s'il te plaît? Tu vas voir, y'a rien et c'est gratuit. Est-ce que c'est un truc à revoir une armée dedans se faire et après on va être là en mode dégoûté? Alors que j'ai fait que les écraser, je suis dégoûté. Et maintenant ils vont encore faire chier, je suis dégoûté. Ouais, bah du coup, on avance avec lui. Ah, mais non, mais on l'a le mode courir. Ah, oui, on l'a. Du coup, on va s'attaquer à Balthazar avec lui. Derrière. On n'hésitera pas à aller juste à côté parce qu'en termes de puissance, voilà. Hein, on l'a calmé la bête, hein. On dit calme-toi. Sinon ça va mal se terminer. Lord of the Monster Horde. Did you say something? I'll take it. No way. Ça c'est cool. Can't. Unworkable. King of Trolls. No. I refuse. Not possible. My ice age comes. Donc je vais aller là avec Trog. Normalement j'ai pas grand chose à craindre. Et à partir de là, je devrais pouvoir les calmer. Normalement il n'y a pas d'armée ici. Hein. Parce que là il y en a une. I'll ignore that. Absolutely not. Ouais, si c'était pour faire ça, c'est bon. Ça devrait bien se passer. Ok. Et pendant ce temps-là, comme j'ai dit, lui, il attaque Balthazar. Il se fait son petit point. On est content. Si Karl, il veut venir, il n'y a pas de souci. On est là pour négocier. Alors, il a dit qu'il avait 7 points. Normalement, chez eux, c'est pas 4 points pour aller jusqu'à l'attaque éclair, hein, de mémoire. Hein. Si. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc, ils seraient capables potentiellement d'attaque éclair avec cette armée. Hein. Overrun the world.
the eternal challenger. Absolutely not. Il serait capable. Parce qu'il a 7 points à l'intérieur, donc il est pas si mal foutu lui. Je vais quand même en profiter parce qu'il est immortel lui normalement. Ouais. Donc il saura revenir, pas de souci. Nous on va créer des armées en masse maintenant. Hein. On va pas s'arrêter là. Hein. C'est. On va pas te lâcher gamin, hein. Crois-moi. Hein. Allez. Salut Samy! Comment donner du matin? Alors t'es hypé à la sortie de... Oui bah, hypé forcément. Forcément. Maintenant c'est loin, donc du coup j'ai surtout hâte d'entendre parler du DLC qui va arriver bientôt. D'ici un mois on devrait avoir quelques nouvelles. Alors, au vu de son armée, je pense que je peux prendre ça, aller là avec eux. Ah mais c'est sûr, Mono, il y a un DLC qui arrive. C'est sûr. Chaos Marauders. Death Marauders! Shaman Sorcerer! Smell their fear! Allez! Ouais, j'ai pas besoin de parier. Interposition! Homme bête, moi j'ai dit, j'ai parié, homme bête et nain. Il y a très peu de chance, mais c'est mon DLC rêvé. J'aimerais les deux pour patienter pendant un petit temps. Ça va pas être facile de passer à travers les mammouths quand même, hein. Il y a un petit truc de feu qui part. Ah non, c'est un filet. Héliobolis. Ouais, du coup, je peux pas lui annuler son ordre. Allez, on attend que ça se termine, cette histoire. Il y a d'ailleurs moyen de shooter sur l'Héliobolis, là. Je comprends pas, Dagret, il y a des infos sur le contenu ou c'est juste deux seigneurs de faction avec deux régiments. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Hop. Ici on accélère. On va lancer une transmute. De ce côté là, on y va. Il y a souvent, il y a toujours, mais je sais pas, l'ajout de deux factions pour le Vortex, pour le dernier DLC, je trouverais ça très fort justement. Ouais, ils sont en pause les mecs là. Ouh, ça c'est chasseur ça. Ça c'est anti-large les gars. Hein. On y va. No!
Il meule l'autre, hein. Boum, boum. Hop, il arrête pas de frapper, hein. J'ai envie de croire en deux factions ajoutées en fait dans le vortex pour faire patienter ceux qui n'ont que le 2. Les chauds là, hein. Voilà, hein. Ah c'est bon, il est pas mort. J'ai peur. Bon, fait... Bon, tu veux mêler avec mes... Mais d'accord, mais vas-y. On prend à la main, mon gars. On tire des haches et alors? On sait s'en servir aussi. Bien sûr, il passe un très très bon moment. C'est le manège, le petit tour de manège. Complètement oublié eux. Quoi qui est mort là? Ah c'est des lieux bolis, ça va. Youpor. Je sais pas ce qui me pousse, mais... C'est bien, vas-y, lance des sorts, c'est ça. C'est ça, vas-y. Allez, une petite invocation ici qui va calmer les choses. On n'a pas eu trop de blessés. C'est bien. Et comme ça. Ah non, non, moi je vois un gros DLC à bien 15 là. Si je donne deux factions, ça se trouve, elle va plutôt être à 20 balles même. C'est toujours Trog, ouais, tout bon zip. Ce que je peux faire, c'est mettre à sac. Comme ça, ça me fait un peu d'argent. Si l'autre veut rentrer, il rentre. Comme ça. Lui, je le ramène. Tac, tac. Comme ça. Voilà.
Il vient de gagner 6 d'armure dans toute son armée. Tout le monde est content. Lui, il se ramène par là avec lui. Lui, il est en cours de création d'armée. Je vous dis, on va pondre des armées. On ne va pas arrêter tant qu'on arrive à être rentable. Il ne faut pas stopper la chose là. S'il doit y avoir 10 000 armées, il y en aura 10 000. Si ça ramène de l'argent, tant mieux. Je peux essayer de l'attaquer. 26% de chance. Échec total, c'est pas grave. Il reviendra instantanément au plus proche, c'est là. On fait avec. Allez, on booste les loups écorcheurs. Donc ce loup, il est quand même destiné à être plutôt en combat. Ok. Il est niveau 23, donc il est immortel. Il est niveau 21, donc il est immortel. Tout est immortel, donc en gros, lui, s'il se fait blesser, bam, il revient là-bas et on construit. War unceasing. Qu'est-ce que je voudrais avec eux? Pourquoi pas? Je suis en train de reconstruire ici, mais j'ai le temps. C'est pas très rapide. Dans un tour, j'ai assez pour faire ça. Et ça me donnera un emplacement seulement de plus. Je peux pas faire des armées avec des trolls pour l'instant en fait. C'est ça le problème. Parce que les trolls c'est au conclave des Iceling normalement. Au bûcher hivernal, hôtel des enfants, tout ça. Doomstack de Moumou, tu pourrais le faire, ça me coûterait pas si cher que ça. Kamono, t'es ici. Et sème à chaque fois que je croque dans un pépin. Alors, je pense qu'il est con. Je pense que Boris, à force de se faire taper dessus, il n'y a plus beaucoup de neurones qui fonctionnent. La connexion, elle est un peu bouchée. Parce que, ok, t'as des tanks. Mais le reste de ton armée, bah, je vais courir après tout le temps. Et je vais tout te défoncer. Hein. Alors, c'est le bug qui revient, ça? Il y avait un bug avec la magie à un moment, là. Le bug is coming? Eh ben c'est parti. Avec mes petits loups. Ici, ce que j'adore dans cette armée-là, c'est que tout, il y a énormément de choses glacées. Engelure ici, engelure là, engelure là, engelure là. C'est une armée, elle te slow tout le temps.
Ils vont les rattraper petit à petit. Vous voyez comme ils sont contents. On va se les faire dans toute joie. Regardez là. Viens ici, viens ici. Allez, viens, 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 viens. Oh, oh, oh. Allez, boum. Mais tiens, je vais énerver tout le monde ici là. Déjà, allez, on y retourne. Ils se les font. Les petits joueurs d'épée, boum. Les arquebusiers surtout là. Je sais pas s'ils vont avoir le temps, fais voir de les choper. Si. Ah ouais, Boris, hein. Boris. Je sais pas, est-ce que du coup, ils voyaient pas bien l'armée? Vous avez vu qu'à moitié? Je sais pas. Je comprends pas bien, Boris, ce que tu as fait. C'est pour se réchauffer la tête, oui, c'est très important.
J'espère que ça va bien, Aurélien. Non, 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 n'aie pas pitié d'eux, Mono. N'aie pas pitié d'eux. Ne tombe pas dans la pitié. Quand on fait chier... tous les... Vous voyez, c'est marrant, c'est parce que je suis en fiabilité très haute avec la Norska et pourtant je fais la même chose avec les hommes bêtes. Et je suis en moyen bas en ce moment. N'aie pas pitié d'eux, il faut pas tomber là-dedans dans ce piège. Ça, c'est ce qu'ils voudraient faire croire. Hop, ça y est. Mais crois-moi, c'est un piège. C'est comme ça qu'après ils se refont et qu'après ils te la remettent. Donc n'aie pas pitié d'eux. Not possible. Overrun the world. I am the Wanderer. Your order is dismissed. Bah. C'est bien, c'est qu'il va choper ça et après il va pouvoir repartir, je pense. World Walker. Drown them in blood. Finally, a fight. I'll challenge them. Tribesmen, gather. Et de nouveau, on reconstruit. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire, ça, la pitié. Genre, tu commences à te dire, ah ouais, non, mais ils prennent cher. Dans le fond, ils sont pas si méchants. Non, 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 ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Croyez-moi, c'est un piège. Chieftain of the tribe. Et il en profite que je puisse pas faire les voir correctement tout son territoire. Ah, du coup. Si tu réussis encore, t'es le meilleur. Ah, t'es le meilleur, Ulf. Ulf le meilleur. C'est Ulf le meilleur. À 100%. Je connais. C'est un bon gars. Il est vraiment bon. C'est Ulf le meilleur. Yes. The hound compels. I'm listening. Overrun the world. Take what's theirs. Gorgash dead. I will not obey. Oh. Au pire, je peux m'en occuper moi-même. Je peux mettre à sac et inciter après le Skaven à attaquer. Il est en train de refaire des armées, je le protège. Une fois qu'il a fait ses armées, qu'il commence à avancer derrière moi, on écrase tout et récupère tout. On est content. Ça, c'est le plan idéal. Hein. Maintenant, est-ce que... Après, c'est vrai que j'ai pas mal d'armées. C'est pour ça que je suis un peu plus confiant. Avec, par exemple, les hommes bêtes, quand ils me font chier. Et c'est parti. Alors d'où ça tire ça? Regardez ce qu'on va faire. Voilà. Voilà.
Tac. Et en fait, parce que je vois qu'il y a les deux trucs qui traînent là, là. Voilà. Tac. On se prépare avec le sorcier. C'est quoi ce vieux virage qu'elle a fait là? Please. Maintenant en vrai hein. Autant aller là avec eux hein. Ah oui, on a des gros loups hein. On va se replacer là. Tu peux te battre, toi. T'es pas un sorcier humain. Un sorcier fémir. Ouh, lui, il a volé, lui. Hein. Ah, mais il se relève, les mecs, hein. Impressionnant. Si je vais casser ton moral pourri là. Voilà. Mais t'arrêtes de balancer des sorts tout le temps, toi, sac à merde. Oh là là! Mais quel spammer en vol, lui! Ah, c'est le... Pas pire que Volkmar. Volkmar, c'est un autre niveau, hein, quand même. Mais bon. C'est bon, on a compris, hein. Tu maîtrises les sorts, hein. Non, non, au cas où, hein. Le mec, il spam tellement de sorts! Mais please! Mettez-lui dans la gueule. Là. Allez, enflammez-le là. Calmez-le là. Parce que le mec il nous refait encore une transu à tous les coups là. Allez, casse-toi. Voilà. Peut-être perdre mes loups dans cette histoire.
cause de ce relou. C'est le héros de Slaanesh. Il a rien de spécial normalement, carré, hein, par rapport à Slaanesh. Hein. Oh putain, tout survit. Trop bien. Ah, si je veux régène. Ah, j'ai perdu quoi? Ah, il m'a blessé un loup. Ouais, c'est ce loup-là, là. Mais du coup, dans l'armée de Mono... Lui, c'est Kiar le Tourmenteur. C'est un sorcier du chaos, voilà. Il a décidé de se protéger contre le Covid et il est sur Dragon. C'est un sorcier que tu chopes en remplissant le serpent. C'est ça. Spécialiste. C'est un sorcier spécialiste. Speak. I eat my enemies. Merde, j'ai oublié pour cette armée-là. Bah tu reviens aussi. Enslave the Southerners. Je sais pas pourquoi maintenant c'est goldé, mais tant mieux. Ah, peut-être à cause de ça. Chieftain of the tribe. Ensuite, comme j'ai dit, on ira chercher ici des loups et puis cette armée pourra repartir aussi au combat. Encore plus tanky. À un moment, moi, je sais plus quoi vous donner, les gars. Enfin, faites. Ah, c'est son dernier point. Ça va. Je me demande à combien ça peut vraiment monter, ça. Ok. Qui se lève, normalement, c'est une ville que je peux posséder. Hein. On va essayer de choper tout ça. Ici, c'est bon. Asnar aussi, il lui manque un loup. Ou il lui manque un mammouth. Pourquoi il lui manque un moumouth? Pourquoi j'ai pas de... Excusez-moi. Merci, c'est pour régène simplement, vous inquiétez pas, hein. Je reste pas longtemps. Ah, il te manque un truc, toi. Il manque un moumouth, là. Là, je rêve pas, il manque un moumouth. Non, non, c'est sa capuche qui protège contre le Covid. Mais c'est pas le dragon. Le dragon, à la limite, il brûle des choses à très très haut degré. Donc peut-être que dans un sens, ça stérilise une zone. Mais non, non, c'est, on parle bien de sa capuche. C'est Tiki.
Waouh. Donc le mec agresse comme ça des petites villes, des petits patelins. Vraiment, le mec n'a aucun respect. Comme d'habitude. Alors, est-ce que tu crois que tu peux encore y arriver? Ouais, non, à un moment, il fallait qu'il fasse un échec, je veux dire, enfin, c'est... On peut pas lui demander de faire des perfects, quoi. Au moins, là, on sait comment ça se passe. Merci, Snefrou, salut à toi. Merci beaucoup pour ton visible de ton resub de deuxième mois d'abonnement. J'espère que ça va bien. Allez, on se ramène là-bas. Donc on est à moins 4666. Je peux. Je peux ça. C'est déjà pas mal. Confiance, c'est de la merde. On va prendre un robuste, hein. On n'a pas trop de choix. Après, instruit, ça peut être pas mal. Parce que c'est toutes les armées. Ça peut être pas mal. En effet. C'est bon, il assiège, il récupère ça. Ensuite, il refait une armée. Normalement, il récupère ça. Et après, derrière, plus jamais il se fera reprendre ce genre de choses et on devrait être bien. Alors lui, du coup, il va nous sauter dessus avec tous ses tueurs, là. Son doomstack de tueurs, là. Tribal Fury. My Ice Age comes. Where's my next one? Understood. Le problème, c'est que j'ai zéro info. Did you say something? Sur ce qu'il y a là. Alors, qui c'est qui s'est fait chourer son... sorcier? C'est lui. Yes. Find us, keep us. Enslave the Southerners. J'aimerais avoir des héros qui puissent venir, mais... Ça va être un peu compliqué. T'as un niveau 40 qui est capable de survivre, toi, normalement. Ils vont te demander d'aller là. Ouais. Donc on a eux, les relous. Bon là je crois que je vais devoir raser, j'ai pas trop le choix hein. No way. Parce que lui à mon avis il va pas trop hésiter à nous attaquer hein. Not possible. Your will. Lord of the monster horde. I'll have a crack. Nope. Il a que 4, hein. Donc il a pas l'attaque éclair. Voilà. Annihilation. Into the fray. Tribesmen. Pour revenir là et mettre à côté de l'autre. Voilà. Et tout de suite ça fait du bien quand on fait ça hein.
serait pas mal, c'est quoi? J'arrive à aller sur la gauche et en même temps j'arrive à raser là. Sauf que là, c'est... c'est quand même un petit peu emmerdant. Je sais que c'est Karl ici, hein. Ouais. Je vais me mettre là. Avec lui aussi. Non, ce serait... là, t'es... je crois qu'on t'est à la maison, là. Non ? Oh, c'est bon. Il prend de l'argent. Lui, ça serait pareil, ici. Voilà, on est à moins 116. Avec toutes nos armées, là. On n'est pas si mal. Il est niveau 16. Il est spécialisé dans l'attaque. 17%, j'y crois pas trop. Ça... ouais, vas-y, tente à la limite. Dommage. Tac. Ok. Dans deux tours, cette armée, elle est prête. Ah, merde. Garantie à vie, corsaire. Bon, ouais, bon, ça va. Au moins... oh non, le relou, là je suis en guerre contre lui, du coup il va peut-être me faire chier. Ah, alliance militaire, c'est ça. Attends mon gars que je commence à rentrer dans... je te prends quand tu veux, hein. Karl, t'as pas bien compris comment Wulfric fonctionnait. Wulfric, tu vois, quand tu lui dis duel, lui répond oui, automatiquement. Il refuse pas le duel, tu vois. Tu lui dis duel, il refuse pas. Salut Faraday! Bah, j'espère, il me faudrait presque une autre région de recrutement en vrai, hein. Surtout que j'ai de la défense en plus avec le campement. Bon bah... let's go. Labs to slaughter. J'ai une petite famille de... de moumoutes. Plutôt cool. Ready to murder. La Rex Guard, salut! 3 secondes après, elle est plus là. Décapitate! J'ai oublié de claquer la petite résistance ultime sur eux.
C'est bon, la Rex Ward, ils ont compris. Voilà. C'est vrai que c'est fort parce que c'est plusieurs unités de mammouth qui, du coup, bah, arrêtent pas de mouliner dans le tas, quoi. Ça rend la chose plutôt pas mal, hein. Ah bah s'ils veulent venir tester, allez-y, hein. Là, je pense que le moral, il va casser d'un coup, là. C'est bon? Non, la Rex Ward veut continuer. Ah, même tout seul, le mec, alors qu'il y a encore 21 loups, il se dit yes. Yes, je tente, hein. Alors que, je sais pas, voilà. Enfin, tragique pour ce monsieur, mais... Il n'avait pas l'air de comprendre la situation. Je crois que j'ai la régène suffisante après. Mais ils sont mignons, hein, les petits ensemble, hein. C'est les petits de la meute de Wulfric. Écoute, ils se portent bien, hein, bien nourris. Hein, des petits maîtres de qualité, comme... Tu vois, Franck... Enfin, Karl, tu sais que... Voilà, lui, il mange pas de la merde. S'il veut être chaud au combat, voilà. Bah, du coup, lui, c'est celui que tu donnes aux petits, tu vois. Qu'ils grandissent bien et deviennent plus sains. Puis ça va, hein, on n'a pas la pierre des viandes, ça pourrait être du scaven. Là, par contre, niveau, c'est un coup à perdre 25% de déplacement à chaque fois pour l'armée, pour cause de chiasse. Donc ça va, on n'a pas à se plaindre. C'est quand tu veux que t'attaques, hein, avec ton truc là. Hein. T'as une belle armée, c'est dommage. Hein. Allez, bisous. My challenge? Undeniable. Slaughter the sheep. Alors, l'autre il va essayer de construire à chaque fois. Je sais pas où il est parti le tueur là, mais. On the path. Making my way. C'est un peu inquiétant ça quand même, non? Battle time is feeding time. In agreement. Donc lui, il lui manque un mammouth quand même, ça m'embête, hein. Mutant beast. Wipe them out. C'est pas la meilleure des armées quand même pour Snya, hein. Into the fray. Oh, j'ai presque la flemme de la faire. Il faut que je refasse son armée, j'ai l'impression.
Donc voilà, au pire. On peut raser pour tout le monde, de toute façon. Faut que je lui refasse son armée. Là, il y a... Ça me plaît pas, là, la forme. Il y a... Ça bloque. Et au 35. Ouais, bah on va booster ça, hein. De guerre, ou de glace. Ouais, les chars maraudeurs, ok. Anticorps, ok. Ok. Ouais, bon, on va booster les chasseurs, mais je pense qu'il va revenir. Ouais, bisous, Marcus. C'était cool avant. Du coup, lui, vu qu'il récupère son loup, niveau 40, évidemment. C'est bon. Je pourrais presque lui donner le deuxième aussi. Après, Mono aussi, il veut un loup. Donc, chacun son loup. Pour pas de jaloux. Apparemment, il n'y a pas d'armée. Les autres, ils sont pas puissants. Hein. Vraiment. Des armées rigolotes qu'ils font, les mecs. Hein. À aucun moment, faut les prendre au sérieux pour l'instant. Hein. No escape. To the four corners. War unceasing. Moins 11. Franchement, moi, il y aurait Wulfric qui vient de prendre une ville. Je suis pas sûr que je commencerai à dire que je suis mécontent. Hein. Do not waste my... Despoil and ravage. To the slaughter. Ah. Annihilation. Donc le voilà, le tueur. Don't think so. Tribesmen gather. Marauders all. On the prowl. No. Take what's there. Je pense que c'est là ce qu'on va pas faire assez mal. Sent by the serpent. On va essayer de les mettre ensemble. Il reste un tour, ok. D'ailleurs, il y a une unité en trop, je pense. Enslave the southerners. Give me. Tribesmen, gather. Voilà. Overrun the world. Pareil. Donc ça c'est bon, les deux sont là, ils s'en occupent. Il y a Wulfric qui est juste ici. Il y a lui. Et vas-y mon copain. Tu peux y aller, t'inquiète, je suis derrière. Lui il est loin d'être immortel. C'est un domination infernale. Donc, je sais que niveau boost, par contre, de dégâts, on a un double là-dessus. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On a deux dominations normalement chez eux. Ce qui fait que tout le monde a 10 d'attaque en mêlée en plus. Et encore, ils sont pas très chauds, hein. Je leur ai pas mis ça encore, je leur ai pas mis ça. Enfin, il manque encore pas mal de trucs avant qu'ils soient archi chauds. Hein. Oui, faudrait que je fasse des cadeaux, oui. C'est vrai. Donc sa petite armée pourrie, il peut essayer de m'attaquer. Si l'homme bête m'attaque, peut-être devoir amener une armée.
Ouais, ça m'étonnerait, hein, qu'il... Ah, il vient d'attaquer la garnison, donc il a fait quand même un peu de dé... Putain, mais quel emmerdeur! Oh, oh, il est pas possible, hein. Je vais te donner un ordre à Mulder pour attaquer la petite ville, hein. Qu'après ça, il s'occupe... Allez, échec total, chais. Allez, allez, on est pas loin, là. Genre, là, j'y crois, là. Là, ça y est, là, hein, là on avance... Je vais faire la paix avec lui. Je vais faire des cadeaux aux autres, comme tu m'as dit. C'est vrai que... Je vais faire des cadeaux. Ça me fait chier, lui, qu'il manque de puissance. Je ne sais pas pourquoi. Et que lui, tout d'un coup, avec ses 66 colonies, bah lui, tout va bien. Overlord, I am king of the Juki, leader of the merciless host. On va faire des cadeaux moyens. Fine. Au culte du cul aussi. The mother of the Druki will hear your request. Naturally. Voilà. Et toi, en vrai... Voilà. Parce que j'ai peur que ça, il le juge mal, tu vois. Voilà. Moins un. Tu vois, voyez, il aime pas ce traité de paix. Il comprend pas, le mec. Il est là dans la guerre, 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 guerre. Et voilà. Il est assez irritant. 19. Alors. Alors. I will not. On a Volkmar. Lord of the Monster Horde. C'est pas Volkmar le rigolo, voyez. Enslave the Southerners. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Never. Dommage. Unworkable. Dominate. Donc je peux avancer avec lui, je peux aller à fond avec lui. Comme ça, je serai déjà là-bas très rapidement. De ce côté-là, comme j'ai dit, allez, je lui dis, tiens, tu devrais attaquer ça, ça te ferait du bien. Le mec, comme ça, il récupère une région entière, il est content. Ça lui fait de l'argent. Derrière, on s'occupe de tout ça. T'inquiète pas, mon gars, je vais te défendre. No way. Despoil and ravage. Alors, ce que je peux faire, c'est bait son armée, là, de tueurs, là. Je peux bait son armée ici avec lui. Hop. Non ! Non ! Non ! Non, 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 j'ai pas fait exprès ! J'ai pas fait exprès ! J'ai essayé de l'arrêter. Alors, y a pas de tricheur, c'est pas sauvegardé. Et c'est un misclick, donc c'est pas une triche. Un Alt F4, le jeu il serait plus là, hein. Merci du coup Snefro pour ton abo offert. Adaou, merci beaucoup. Et bienvenue. J'ai pas pu voir. Celsir, merci pour ton follow, bienvenue. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors. Et on est à 1h30, donc on va voir si on arrive à bait son armée. En fait, parce que je voulais juste aller là, moi, hein, concrètement. Hein. Je voulais juste aller là, le bait, gentiment. C'est honteux. Bon, bah, du coup, ici, j'ai fait un échec. Donc, je tenterai pas le truc. Comme ça, on dira pas, il triche. Oula, par contre, attendez, là. Oulala.
Là, il y a deux armées là. Là, 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 j'aime pas ça là. Et je vais me mettre là. Et je vais le bait. Voilà. J'avais dit que je donnais un ordre à lui. S'il pouvait attaquer ça, récupérer, ça serait pas mal. Et du coup, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va attaquer là. Il y a une armée, mais c'est pas grave. Ici, je pense que je peux raser. En fait, je peux bloquer cette armée. Comme ça, ça me donne de la vision. Yes. Ici, je peux raser ça, probablement. Je pense que Pav va prendre le risque. Never. Chieftain of the tribe. Le mec revient tous les tours parce qu'il a battu Vlad. Sûrement. Et donc du coup, dès que tu le tues, il revient dans une autre armée. Automatiquement, vous voyez. Après, il va revenir là. Voilà comment ça va se passer. Bon bah on va attaquer. Mais je suis obligé de ramener l'autre armée quoi. Le relou. Tribesmen, gather. Absolutely not. Enslave the southerners. Eh ben écoutez YouTube, on va s'arrêter là parce que ça fait 1h30 quand même. Et on se retrouve au prochain épisode juste là où on attaque Balthazar niveau 40 hein, qui reviendra à tous les tours jusqu'à qu'on ait terminé complètement de raser à jamais le Reckland. Voilà, des gros bisous.